pose dans les stalles. Et les voilà partis pour la cinquième course. Le prix Lobo, il y a 2400 mètres à parcourir avec un bon départ d'Orsino tout à l'extérieur qui vient s'installer en tête avec Zanixa qui est en deuxième position. Divapour également qui est bien parti, qui est troisième. On retrouve ensuite James en compagnie de Ladam qui précède Red Trio et Twinkle. On retrouve plus loin le numéro 4 Super Tiger en avant-dernière position. Eternity Ria qui est parti prudemment et mauvais départ pour le numéro 10 Étoile du Laos qui se retrouve très attardé. Les qui sortent déjà du premier tournant avec Zanixa le long de la corde qui tente de prendre l'avantage à Orsino. C'est le concurrent détaché de Divapour et le James qui est un petit peu pris de vitesse alors que la dame est cinquième côté corde. On retrouve ensuite Red Trio épaulé par Twinkle. Super Tiger vient à l'arrière de ce petit peloton. Eternity Ria est en avant dernière position et dans le lointain on retrouve Étoile du Laos. Peloton très étiré pour aborder le tournant de Villers avec Zanixa qui est parvenu à prendre l'avantage à Orsino qui est en deuxième position alors que Divapour galope troisième. James vient plutôt à flanc de peloton à l'extérieur de la dame avec un petit peu plus loin Twinkle en compagnie de Red Trio qui précède Super Tiger. Eternity Ria tente de recoller au peloton. Étoile du Laos est toujours très attardé. Concurrent qui aborde bientôt le début de la ligne d'en face avec Zanixa qui a l'avantage épaulé par Orsino. En troisième position, Divapour. On retrouve ensuite la dame avec James qui est à son extérieur, précédant Twinkle et Red Trio. Super Tiger venant ensuite devant Eternity, Ria et Étoile du Laos qui est dans le lointain et qui est déjà hors course. Bientôt le tournant final avec Zanixa qui a pris l'avantage sur Orsino. En troisième position, Divapour. On retrouve nettement plus loin la dame avec James qui tente de se rapprocher, tout comme Twinkle qui vient à l'extérieur maintenant devant Red Trio côté corde. Super Tiger est un peu plus loin avec Eternity Ria. Trois concurrents détachés à l'entrée du tournant final, Zanixa, Orsino, Divapour qui est sollicité en quatrième position, Twinkle qui vient à l'extérieur maintenant de la dame alors que James semble rentrer dans le rang. Mi-tournant final avec Zanixa qui est très sollicité pour répondre à l'attaque d'Orsino et de Divapour qui viennent maintenant à son extérieur prendre facilement le meilleur avec la dame qui vient plus loin, sortie du tournant final. Orsino, Divapour qui ont l'avantage devant Zanixa le long de la corde à 300 mètres de l'arrivée avec Divapour, Orsino le long de la corde. Zanixa en troisième position à distance de Twinkle. 200 mètres à parcourir, Orsino à la corde, Divapour à l'extérieur. Divapour qui se débarrasse d'Orsino maintenant nettement devant Twinkle qui vient déborder Zanixa. C'est Divapour qui va l'emporter dans cette épreuve facilement. Divapour l'emporte, Orsino se classe deuxième. La troisième place pour Twinkle devant Zanixa et Super Tiger.